Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Kyo wa nirongo de hanashimasu. Aujourd'hui, je vous parle en japonais. Nirongo de hanashite kara furansugo de tsuyakushimasu. Après avoir parlé en japonais, hein, je vous traduirai à chaque fois en français évidemment pour que vous ne soyez pas perdus, mais comme ça vous aurez les deux langues. De kyo no bideo wa mochiron tango lesson nan desu. Aujourd'hui, hein, cette vidéo, hein, c'est une leçon de vocabulaire. Et kyo wa donna tango miru ka tte iu to yobi, soshite tsuki, soshite yotsu no kisetsu no tango o mite ikimashou. Alors aujourd'hui, on va voir quoi comme vocabulaire? Eh bien, on va voir les jours de la semaine, les mois de l'année et enfin les quatre saisons du Japon, hein, qui sont les mêmes que les saisons françaises d'ailleurs. Donc plein de mots de vocabulaire à retenir, très important. Donc c'est une leçon importante. J'espère que vous êtes prêts. Dewa, sore o mite ikimashou. Allez, c'est parti. Dewa, screen no yoko ni tango listo o nosemasu no de sore o goran kudasai. Donc sur le côté, hein, de l'écran, je vais mettre la liste de vocabulaire, hein, pour que vous puissiez lire et prononcer avec moi, hein, pour que vous puissiez me suivre. Dewa, sono listo wo nikai zutsu imasu. Je vais lire deux fois, hein, deux fois la liste de vocabulaire. Dewa saisho wa yobi no listo de ikimashou. On va commencer avec, et bien sûr évidemment, les jours de la semaine, la liste des jours de la semaine. C'est parti. Getsuyobi, kayobi, suiyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. Dewa moichido ano yobi o imasu. Encore une fois, les jours de la semaine, hein, qui se dit yobi. Vous avez vu, à chaque fois, on répète le mot yobi. C'est le mot pour les jours de la semaine. Hein, donc chaque jour de la semaine se finit par yobi. Allez, c'est reparti encore une fois. Getsuyobi, kayobi, suiyobi, mokuyobi, kinyobi, doyobi, nichiyobi. はい、曜日はこれで終わりです。Voilà, c'est terminé pour les jours de la semaine. で、今から、月を見ていきましょう。On va voir maintenant les mois de l'année. C'est parti, nouvelle liste. いきましょう、c'est parti. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。はい。で、気づいたでしょう。いつも月の前に、1、2、3、その番号を入れるだけで、それで、その月になりますので、とても簡単なシステムなんです。フランス語より簡単だと思います。Vous avez vu comment ça fonctionnait? Avant, gatsu, hein, qui correspond au mois de l'année, il suffit de mettre le chiffre. Le chiffre 1 pour janvier, le chiffre 2 pour février, 3 pour mars, ce qui nous donne Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, etc. Donc c'est vraiment très simple en japonais. Il suffit de connaître vos chiffres et après de rajouter le mois, donc gatsu. Voilà, c'est plus facile à mon avis qu'en français. On continue, allez, encore une deuxième fois, Moichido Ikimashou, encore une deuxième fois, Hatsuon Shimasu. C'est parti, je fais les prononciations, vous êtes prêts? Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu, Shigatsu, Gogatsu, Rokugatsu, Shichigatsu, Hachigatsu, Kugatsu, Jugatsu, Juichigatsu, Junigatsu. Voilà. もしまだちょっと不安だったら、
ね、もう一度ね、同じところをまた見てくださいね。繰り返しても大丈夫です。Hein, vous pouvez, si vous n'êtes pas encore tout à fait au point, mettre un peu la vidéo en arrière pour regarder à nouveau, pour vous entraîner hein, le nombre de fois qu'il faut, il n'y a pas de souci. Voilà, pour vous entraîner. On continue en tout cas, si vous êtes prêts. では続きましょう。最後は、4つの季節です。On finit, on termine avec donc les 4 saisons en japonais. La liste, listo. Oh, mitte kudasai. Donc regardez bien la liste. Ikimashou, c'est parti. Haru. Natsu. Aki. Fuyu. Moichido. Saigo ni moichido. Encore une fois, pour finir encore une fois. Haru, natsu, aki, fuyu. Et voilà, on a vu les jours de la semaine, les mois de l'année. Et pour terminer, on aura vu aussi les saisons. Ironna tangomimashita ne. Chanto oboete kudasai. Donc retenez-les bien, c'est très important. では、このビデオがもし役立ってたらね、もしよかったらぜひこれをつけてください。Voilà, si la vidéo vous a aidé, si ça vous a aidé, n'oubliez pas, hein, surtout de mettre des pouces vers le haut. ぜひこのビデオもシェアしてください。N'oubliez pas non plus, bien sûr, de partager hein, la vidéo sur les réseaux sociaux. そしてもちろん質問があれば、hein, それを、質問コーナー、質問のところにぜひ聞いてください。N'oubliez pas non plus de me poser vos questions s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, voilà, dans la section commentaires de la vidéo. Et, もし、このチャンネル、初めてご覧に、なってる、方であれば、登録ボタンを押してください。N'oubliez pas non plus, si vous arrivez sur cette chaîne, si vous êtes nouveau, si vous découvrez le Japon foufoufou, de vous y abonner hein, pour plus de contenu, plus de vidéos de leçons de japonais, évidemment, c'est le grand thème de la chaîne, mais aussi des vidéos culturelles, hein, où j'interview par exemple des japonais, où il y a même des reportages sur le Japon, il y a plein de différents genres de vidéos, donc n'oubliez pas voilà, de vous y abonner. Et voilà, Saigo no Kotoba Imas, je vous donne pour terminer hein, le mot de la fin comme d'habitude. Voilà, vous êtes prêts? Matane!